l'arène. Je pense que ça va démarrer d'ici peu. Je l'espère. Et voilà, ça va bientôt démarrer. Je pense que le joueur, voilà, au starting block. Donc, on est sur un Pikachu contre un Joker. Pikachu contre Joker. Voilà, et donc, c'est sur Kalos que ce match va débuter. Actuellement, les projectiles contre la dash attack. Ça essaye déjà la go-roll. Du grab, le dernier qui ne passera pas, l'esquive du projectile, la dash attack qui est esquivée de la part de Pikachu, le fer qui connecte, le projectile qui aura été absorbé, c'est suivi par une chop, le dernier qui ne connectera pas, ça tente la chop, voilà le up smash, les projectiles qui sont pas tous parés, la dash attack qui sera bien read de la part de Mistero. Nice. Actuellement le back air, la dash attack qui ne connectera pas sur le shield. Le projectile qui cancellera le smash suivi d'un grab, suivi d'un up throw. Voilà les brawls. Le projectile qui connectera de la part de Mistero. Mileko qui touchera avec sa deuxième partie du donner. Oui, très bien joué de la part de Mileko qui empêchera la remontée de Mistero. C'est déjà une première stock qui aura été enlevée de Mileko sur Mistero. Actuellement 58% sur Pikachu. Voilà le gap. Le beau rythme de la grab avec la roll, bien joué la dash. Le projectile qui connecte actuellement 37% sur Pikachu. Le nerf qui ne connectera pas. Le projectile. Oh, le dernier qui connecte en l'entièreté. Le projectile pour essayer de donner. Très beau projectile de la part de l'Echo. Le deuxième fer. Le troisième fer qui ne connectera pas, c'est dommage. Ça aurait pu out. Oui, le down smash, très bien réalisé. Ouh, le beau contre réalisé de la part de Mistero sur le donner de l'Ileco. Le projectile qui connectera de Mistero sur l'Ileco. Oh oui, très très beau contre de la part de Mistero. Très bon lead pour l'instant, 73% à 0. Deux stocks partout. La chop suivi du fer. Hop, la belle esquive aérienne. Les chops qui ne sont pas réalisés. Le grab suivi du up. Ça a tenté le combo. Mais ça n'aura pas été touché. Le nerf qui connectera actuellement 48% à 24. Le projectile qui connecte. Le down smash qui connectera pas. Le back air. Le Mistero. Le projectile qui ne touchera pas. Pas tire non plus. Voilà. Le back air. Le jab. Finalement ça sert pas mal, c'est assez nerveux. C'est assez nerveux comme gameplay. Oh oui, le donner. Dommage, ça aurait pu connecter celui. Oui, exactement. Avec l'attaque fatale foudre de Pikachu. Le projectile qui touche actuellement 30% à 43. Ça sonne pas mal. Le smash qui aura pas connecté. Oui, le beau contre. Oh, le forward smash qui a été bien vide. Et oui, le projectile suivi de la dash attack de Pikachu. 51% à 0 actuellement, on stock à 2. Projectile qui n'aura pas connecté, le jab, ça essaie de remonter, le back air qui aura été tenté de la part de Mistero. Le back air encore, le down air qui ne connectera pas, le projectile. Ah, le fer, suivi du fer, bien vide de la part du jump, la remontée de la part de Mistero sans aucun problème. Le back air, le roll encore, la dash attack sur le shield, qui sera sanctionné par un jab, après un mauvais positionnement de la part de Mileko. Alors apparemment, on me dit qu'on m'entend en mono à gauche. C'est assez bizarre. Ouh là là, le forward smash qui n'aura pas été connecté, qui aurait été bien cancel par la grab. Le contre, 91% à 48 actuellement, le beau contre. Force smash qui sera cancel par une dash attack. La remontée. Oh là là, le forward smash qui a été fait du mauvais côté. Le Pikachu qui essaie de zoner un maximum en dehors du ledge. Le donner qui ne connectera pas. Le projectile qui touche. La guerre,
Ça voulait tenter le Diablock. Oh, le up smash, bien rid. Bien joué. Oh là là, quelle erreur. Et quelle erreur, et en plus pas soupçonné de la part de Mystero. La remontée. On a Elwena qui supporte bien Pikachu. Par contre, le forward smash qui est rasé de la part de Mystero, qui enlèvera la stock de l'Ileco. Une stock à une, c'est pas even, puisque 97% actuellement, 100% à 0. Le fer qui connectera pas. La grab qui n'est pas suivie par un combo. Oh, le beau rid de la part du forward smash de Pikachu. Le backer qui connectera pas actuellement, 20% à 100%. Le projectile qui est cancel avec le shield. Oh, la dash attack qui est bien rid avec un roll. Le backer qui connectera sur son dernier tick. Oh là là, très très bon contre de la part de Mystero qui lui permet de récupérer son Arsène. Actuellement, le projectile. Axel qui nous dit que... Pas du tout. Oh oui, le beau contre de la part de Mystero. Pour l'instant, le zombie juste avec les projectiles, c'est incroyable. Et le down smash. Le down smash qui permet de éjecter Mystero contre Pikachu. C'est une première victoire. Et c'est une victoire pour... Bravo, bravo à eux deux. Bravo, bravo. Oui, Elwena, tu n'es pas du tout objectif puisque tu es, comment dire, une fanboy de Lorenzo, si je puis dire. Donc voilà. Bravo, bravo. Pour l'instant, beau match. Ah ouais, laisse tomber. Alors, Watsky, merci. Faut savoir que j'ai deux bouteilles d'eau qui sont à côté de moi parce qu'après, je vais mourir. Je vais plus avoir de salive. Merci Hexagone de cast le stream sur ta page Facebook, c'est vraiment un pur plaisir. Merci beaucoup. Donc je rappelle ce tournoi qui est organisé, tout premier tournoi Spike Tournament qui est organisé et qui est en relais avec le Téléthon Gaming pour l'association Le Téléthon bien évidemment. Petite gorgée. Si vous le voulez, n'hésitez pas aussi à follow mon Twitch pour les prochaines éditions. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à faire des retours également dans le chat si ce format vous convient pour pouvoir en reproduire prochainement. On pense à un tournoi par mois si jamais ça vous plaît. Alors, pour les dons, en fait, c'est un panneau qui est sur ma chaîne Twitch. Il suffit juste de regarder en bas à gauche et de cliquer sur « Donner ». Et en fait, vous pouvez effectuer une donation depuis ce lien. Et merci, Osef, pour le relais, bien sûr, avec nos réseaux sociaux sur le Twitter et le Facebook de Spike Tournament. Nous avons une page également que vous pouvez suivre pour y mettre. On va y mettre des clips, voilà, des différents matchs, etc. Donc voilà, le deuxième match qui sera réalisé sur Pokémon Stadium 2. Voilà, le projectile qui a été bien shield, suivi de la dash attack de la part de Mystero. Voilà, ça fait des bons forward tilt, pardon. Actuellement, le triple pair de la part de Pikachu, le donner qui connaîtra pas. Le backer, oui, très bon rythme de la part de Pikachu. Actuellement, le double. Oh là là, ça tente le dos de page. Il peut pas remonter. Mais c'est incroyable. La stock qui sera enlevée de la part de Lileco avec son down air sur Mystero. Incroyable. Le nerf. Le fer qui connaîtra pas. Qui est sanctionné par le forward smash. Le upper qui suit du backer. Le fer qui connaîtra pas. Actuellement, le bon roll de la part de Mystero. Mystero qui fait la grappe sur Lileco. Le down air qui connaîtra pas. Le projectile qui sera bien vide. Le backer. Chasser le tempo. Le très très bon contre de la part de Mystero sur... Oh là là, ça a retenté le contre. Ça aurait pu sortir Lileco. Je pense qu'il aurait été out. La grab réalisée. Le backstroke. Ça tente. Le thunder. La remontée sur le ledge. Ouh, très très bon shield de la part de Lileco. C'était incroyable. Oh là là, le upper. Qui sera bien 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 contré par Mystero. Oh, bien joué. Le Thunder, mais ça lui permet quand même de remonter, ça fait grave un peu les pourcents. Et le forward smash réalisé sur Lileco qui le outera. Actuellement 121% à 0. La grave réalisée de Pikachu. Le up. Ça veut tenter le Thunder. Il sera pas contré. Oh oui, très bon. Très très bon grab suivi du fer. Oh, le forward smash qui sera pas connecté. La grab, ça fait un backthrow
ça essaie de zoner un maximum. On s'attente le back air en out. Oui, très bon projectile de la part de Misero. Il grappe encore des pourcents. Le fer qui voulait être suivi par... Oh oui, le up. Le up air. On redescend avec le back. Le down smash qui aura été complètement counter par Misero. Le forward smash qui ne sera pas réalisé. Actuellement 73%, ça sort. Oh, pas mal le DI de la part de Misero. Ça remonte tranquillement sur le ledge. Ah oui, là, le back throw. Le back throw. Actuellement 51% à 0. Une stock d'écart. Le back air. Avec le projectile. Actuellement 12% à 51%. La dash attack qui est réalisée. Encore la dash attack qui est réalisée. Oh, le forward smash qui aurait pu. Le risque de ward était plutôt bon. Oh, la fin du back air qui cancel le forward smash. Le projectile qui connecte suivi d'un fer. Le deuxième qui connectera pas suivi d'une dash attack. Le shield. C'est terrible de la part de Lilico. Ça remonte sur le ledge, bien joué, le side B. Le projectile qui aurait été terrible. Le double jab. Oh, le projectile. Oh oui, très très bon compte suivi d'un format smash de la part de Misero actuellement, 57% à 0. Peut-être la remontée incroyable de la part de Misero. Le projectile qui sera arrivé. Oh, les doubles chops qui sont réalisés à la beuglette. Qui n'aura pas été réalisé. Oh, tu vas remonter sur le ledge. Actuellement, le donner qui ne connaîtra pas. Le roll. Le roll est suivi du fer. Pour l'instant, très bon DI de la part de Misero qui ne peut pas remonter sur le ledge puisqu'il a tenté de shield. Alors, une source texte OBS pour le score. Bah écoute, si j'avais vu ça avant, ça aurait été un peu plus simple. Là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Donc là, actuellement, 2-0. Une source texte sur OBS pour le score. Je vais voir mon compère. Actuellement 2-0 de Lileco par rapport à Misero. Donc une victoire de Lileco. Donc Misero passe en loser bracket.